Les aventuriers arrivent bientôt à l'île des Intendants, mais c'était sans compter sur l'embuscade du chef de la guilde des mercenaires. Des élémentaires d'eau interviennent, Grunlek tombe dans la mer, Théo tente d'organiser une défense d'eau à Shin et à Bob. Messieurs, des créatures millénaires surgissent des profondeurs. Shin, tu lèves lentement les yeux, posés sur eux, et... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Chers élémentaires, j'ai entendu votre question, mais tout d'abord, j'ai juste une faveur à vous demander. Sauvez mon ami qui est au fond des eaux. Sauvez-le, s'il vous plaît, et je vous offrirai ce que vous souhaitez, ce que vous désirez de plus au monde. Ah, pardon. Ah bah, fais gaffe, oh, si c'est ton premier nez, tu ne sauras peut-être pas lequel c'est. Parce qu'il te demande. Dans le domaine du coup, son nez, c'est son majeur sur sa bouche. Mais c'est gentil. J'apprécie beaucoup que tu sois prêt à tout sacrifier comme ça pour moi. C'est vraiment il faut un peu de théâtralité. Offre-leur. Oui. Après, voilà, clous, comme je dis, offre-leur un de tes premiers-nés. Ça devrait être facile, il devrait y en avoir plein. Ça se joue, tu vois. Oh, frère des gosses, c'est un peu sale, mais je peux, effectivement. J'ai toute une ribambelle de nouveau-nés. Mais non. Plus sérieusement, non, voilà, plus sérieusement, stock, mon ami Nain est en train de se noyer. C'est un aventurier qui me suit dans nos péripéties, dans nos aventures. Nous sommes là pour récupérer un artefact magique qui pourrait nuire à votre existence même. Donc s'il vous plaît, je vous le demande à genoux, seulement. Mais en restant debout, sinon je tombe. Alors s'il vous plaît, faites-le. Alors je puiserai en toi. Ouais, ce que merde. J'en cherche. C'est dégueulasse. Putain, encore un truc qui veut lui sucer la... Et moi j'en trouve pas. Pourquoi le mot puiser? Pourquoi utiliser le mot puiser? Je n'aime pas ce mot. T'aurais préféré aspirer. Dégueulasse. Oh. Vous voulez le puiser sans une paille? Putain, mais le nombre d'êtres vivants dans ce monde qui veut pomper la nappe phréatique de Seb, mais ça me rend fou quoi. Ouais, ça me rend fou. Je vous ai entendu, créature millénaire. Okay. Je veux bien vous accorder cette faveur. Mais tout d'abord... Et gars, il ouvre son pantalon. Il enlève sa ceinture. Il faut que je bande mon arc. Cher demi-élémentaire, le garde de votre nappe phréatique me sied à merveille. Venez vous servir. Ah putain. Oh, ce mec, que s'appelle quoi. Orio. Shinnak, allez. Putain, c'est le climax de fin. Normalement, c'est les cuivres, c'est Zimmer. Tu vois la musique héroïque. La, la, la. Allez-y, buvez-moi. Il te trouve super marrant, il t'amène sur la plage et les autres meurent. Voilà. C'est exactement là. Je te sors un papier que j'ai écrit, c'est exactement à la fin que j'avais prédit. Oh putain. Oh, c'est rigolo, n'empêche, t'arrêtes la vidéo là, tu mets un faux générique, puis tu laisses du noir derrière et tu reprends juste après. Oh, c'est pour être marrant. Avec la musique Will Smith. Allez, Grunlek est sauvé donc. Ok. Pendant ce temps-là, Attends, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, exactement ça. Eh ben, je suis en train de rôder mon stand-up. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant ce temps-là, il y a le chef de la guilde des mercenaires qui est face à toi, Théo, qui n'en croit pas ses yeux. De la manière qu'il a paré ton attaque, ou du moins qu'il l'a esquivé sans le vouloir, en bref, que tu as loupé ton attaque. Et toi, Théo, tu es à côté, et oh. Donc tu lèves aussi les yeux, hérésie de plus. Donc à l'intérieur de ton bouclier, limite, tu mets une barre, tu sais, à côté des autres. Oh putain. Et trop de choses à tuer. Et c'est Noël. Donc il y a derrière toi Bob, tu entends sa voix s'élever par-dessus ton épaule, la voix de Bob qui dit: miséricorde, t'en occupe pas, concentre-toi sur l'ennemi devant nous. Mais il fait 20 mètres. Oui, mais c'est ce que je dirais à Théo. C'est ce que je dirais à Théo si Théo lève un œil circonspect. C'est une hérésie, mais garde-la pour plus tard. Occupe-toi d'abord de lui. De ton côté, laisse ça aux experts. Grunlek, tu goûtes à l'eau et au sel en plongeant dans les profondeurs. Tu es emporté dans un tourbillon qui n'a rien de naturel, qui est là à cause de l'apparition des élémentaires d'eau. Tu es emporté, tu as encore de l'air dans les poumons, malgré ton échec critique. Tu n'es pas surpris, c'est-à-dire tu n'es pas
tomber dans l'eau en ayant les poumons vidés d'air. Du coup, qu'est-ce que tu Est-ce fais Est-ce qu'il y a des sirènes qui peuvent peut-être me sauver? Des sirènes nains. Non. Des sirènes. Le mec il cherche quand même à peloter avant de mourir, hein, c'est bien. On est bien, on des est bien. Des sirènes à barbe. On sait te procurer de l'oxygène. Je sais pas trop ce que tu veux que j'essaye de faire. Ah, faut pas me laisser écrire le lore d'aventure, hein, sinon. Pas t'es en train de mourir, les mecs. Y'a un concept, là, personne Ariel avec une barbe. C'est ça, ouais. Ah ouais, putain. Non, mais c'est pas Ariel qui vient le sauver, c'est Triton. Tu sais, c'est le père qui arrive. Oui, c'est ça. Oh putain. Viens avec moi dans mon voyage sous-marin. T'es en train de mourir, qu'est-ce que tu fais, mon roi? Plus sérieusement. En plus, j'ai plus le contrôle de mon bras. Ton bras est en mode Google Gadget hélicoptère vers les profondeurs. Ok. Je sais pas ce que tu veux que je fasse. Ah oui, ouais, tu essayer peux pas de me concentrer pour reprendre le contrôle de mon bras. Ce qu'il y a, il y a la chose suivante, Kandlek. L'usage, les artifices de ton bras, les outils qui sont dedans, tu sens que tu peux avoir une main mise dessus. Néanmoins, c'est les mouvements de ton bras qui sont plus compliqués à maîtriser, et lui il est en mode, je t'ai dit, rotor vers les profondeurs, et tu peux éventuellement, alors qu'il se disloque dans un sens qui n'est pas très naturel et au moment où il arrive vers l'arrière, tu peux éventuellement bander ta volonté et activer le lance-grappin pour qu'il aille vers le navire au moment où la main se retrouve dans la direction du navire. Ça va me coûter les points de vie parce que j'ai plus de points de psy. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test de mental avec un malus de 10%. Tu peux utiliser un dé d'aventure, ça serait dans ton intérêt. Du coup, est-ce que... C'est surtout le moment, là, ouais, vas-y. La question, c'est là, c'est juste pour savoir si je me contrôle et derrière, je dois faire un jet en plus pour le grappin, ou non, là, ça comprend tout. Pour savoir quand est-ce que j'utilise le dé d'aventure. Ça comprend tout. Ça comprend c'est tout. C'est pour activer le... Ouais. Donc je suis à 60%. Parce que in extremis, t'es bien. Changement de posture, t'as focus, donc c'est et plus mouvement. Ok. Et mouvement, j'ai des idées avec mouvement. Ok, c'est parti. Attention, donc 60 ou moins et ça passera. 40, ça passe. Et changement de posture, je peux même remettre en défensif du coup. C'est en défensif. Très bien. Donc tu agressif, active. Agressif. Le mec, il sort avec un Falcon Punch de la flotte, bah comme ça, la Superman. Il fait un dragon comme un dauphin, il fait même non, le non, bruit. Non, focus, le bruit pardon. Focus, pardon, parce que ça me coûtera moins. J'aurais peut-être pas de points de psy à utiliser. PV, ouais. Et du coup, je perdrai pas de points de vie. Donc focus. Très bien. Et je passerai en défensif après. Ça m'évite la perte de points de vie. Absolument. Tu actives la mécanique de ton bras, du coup ton bras se disloque, le grappin s'active et va en direction du dessous du navire. T'entends un petit ponk se produire alors que tu tournes sur toi-même et qu'il y a les filaments qui vont vers le navire et tu as une accroche, tu peux éventuellement utiliser ton autre bras qui lui est organique afin de pouvoir grimper. Et là, par contre, non, il va falloir faire des tests de physique. Mais là, en tout cas, ton bras qui se dirigeait vers les profondeurs se débat comme s'il était pris dans un filet. Alors, okay. Donc, pendant ce temps-là, il y a en face de toi, Théo, le chef de la guilde des mercenaires, qui te regarde du coin de l'œil, qui surveille aussi l'élémentaire en l'air. Il est avec vous. Je vais essayer de m'y tonner, je vais lui dire, vous voyez ces trucs gigantesques, hérétiques, ce sont nos amis. Une fois qu'ils auront fait ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus pour vous tuer. Voilà, ils sont venus pour vous tuer. Alors, donnez-nous votre navire. Tu vas, s'il te plaît, mon cher Théo, me faire un test. Alors, de social, avec un malus de 20. Il fait un jet de social, t'es sérieux? Ouais, sûr. Le but, c'est de lui faire croire... Moi, je veux voir le succès critique. Le but, c'est de lui faire croire qu'effectivement, ce sont nos amis et qu'ils viennent pour nous aider. Du coup, pour qu'il abandonne... Non, mais je critique absolument pas ton action. Je sais, ta défense en tant que maître d'avocat. Joue pas à Phoenix Wright. Je réexplique l'action. Social. 74, mais non, je l'ai vu passer le 54 et le dé qui a fait.
Cosa. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est dégueulasse. T'aurais pu utiliser un dé d'aventure. Ah, j'aurais pu. J'aurais tellement trouvé ça cool. Mais non. Et il te regarde alors que tu tiens ton laus et il fronce ses sourcils. Ah bon, vous? Et toi, t'es là avec un grand sourire d'inquisiteur qui veut dire ouais. Et après, on vous mangera le cœur et on tuera aussi cette créature hérétique. Je le dis, mais en bégayant. Voyez, c'était élémentaire, c'était une amie. Ah, tu te retournes, t'as peur. T'essaies de le dire, mais à cause de la tempête, t'as tellement d'embrun sur le visage qu'on t'entend pas, c'est mal foutu, t'es pas représenté. Les élémentaires qui sont sortis, en fait, il y avait plein d'algues sous la flotte. Du coup, je m'en prends. Une mèche comme ça. T'es... Avec l'étoile de mer sur la gueule, tu sais. Putain. Écoutez, reprenez votre navire. Nous réglerons ceci. Je ne suis pas sûr d'être en mesure d'affronter une telle créature. Et regarde par-dessus ton épaule de telles créatures. Mais il est cassé, notre navire. On va pas retourner dessus pour couler, non? Attends, est-ce que j'ai le droit de claquer mon action parce qu'il est en train de... Votre problème. Ah bah non, on part pas, on est là, on reste. Est-ce que j'ai le droit... Est-ce que je peux claquer mon action, Maillard, du coup? Oui, vas-y, à toi. Parce qu'il était en train de blablater, je sais pas si nous sommes de taille à affronter tel... Les mots sont inutiles! Et je vais faire un mouvement de bâton de fou et je vais l'attaquer. Attends, fais un jet pour ton mouvement de fou. Je veux juste te voir te rater, te mettre un coup avec ton propre bâton. Ah oui, bah écoute, c'est ce qui est risqué, mais... C'est ce qui est risqué, mais attention. 30 en physique, plus 20 en bâton, ça fait 50, plus 10 avec ma forme, ça fait 60. Je suis presque un vrai guerrier, en fait. J'avoue. Non, j'avoue, 60, c'est classe. Donc il y a des chances qu'il le bouffe, mon bâton ninja. Alors après, il y a des chances que je me bouffe ridicule. Il y a des Dans chances tous les cas, ce sera quelque chose d'hilarant. Qu'il fasse un test de défense. Non, parce qu'il est en agressif. C'est vrai. Bon, d'accord. Je te mets un dé de mes aventures pour la peine. Alors. Ah, c'est propre. Vas-y, mets-moi le dé de mes aventures. Attends, je le jette avant. Est-ce que le dé de mes aventures, je peux le jeter après pour l'attention? Vu que c'est de la mésaventure, ça change rien. Si tu le souhaites, vas-y. J'aime l'odeur de la peur. Attention. Ninja! Ouah! 36, ça passe! Brah! En plein sur son front! Par contre, et là c'est là qu'on rigole. Parce que si jamais je perds ma forme, en plus. Super Saiyan. Ah, j'avoue. Trop ridicule. 6! 6 in extremis. Attention, je bouge, j'ai fait 6. Mais c'est in extremis, donc ça me ramène à 41, ce qui passe quand même. Donc ça passe! La première attaque physique réussie d'aventure par le mage. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Au moment où. Alors, au moment où Théo essayait de négocier. Il y a une sorte de paradoxe temporel qui vient de se produire. Il y a Kaira qui arrive de derrière. Théo qui essaye de négocier. Attendez, Théo qui essaye de négocier avec un côté diplomatique et Bob qui bourre physiquement l'ennemi. Hey, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont pas les nous vrais. Nous sommes dans le même. Je pense que ce sont les rémanences de l'échange de corps. Oui, il y a dû avoir des restes, des specs, des fonds, tu vois, des mélanges qui ont été faits. Lance-moi, s'il te plaît. Mais il faut savoir que je vais mettre le coup. Je suis en posture élémentaire. Ah. Est-ce que ça compte? Tu vas avoir un bonus de dégâts. Parce que je peux pas. Mais... Merci, parce que je peux pas mettre de posture offensive, j'aurais mis, mais. Vas-y. Du coup, voilà. Slash 1d6. 1d6. Merde. Une reconnaissance commune, excuse-moi. Ah, 3. Ok. Tu lui fais donc un coup au visage. Il y a une giclure de sang qui se produit. Tu vois qu'il a une belle balafre au niveau du fond, est-ce qu'il se trouve vers toi? Ah! Donc c'est comme ça! Mais non, il a glissé! Il hausse les épaules. Ça t'a plu, hein? Je pensais qu'il allait faire mais... Ça t'a plu, hein? J'ai mis la même à ton fils! Oh! Il te regarde. Ah, c'est comme ça! Dans un mouvement d'épaule, tu entends un craquement, puis en plus, il bouge ses haches qui s'investissent d'une certaine énergie. Il les fait se mouvoir face à lui et il t'attaque du coup en mode offensif dans le nouveau round. J'ai le droit de la réplique de l'insulte? Ah oui, bien sûr. Après lui avoir mis avec le coup, plaisir. Hein, c'est le « Ah, c'est comme ça !» Approche, j'ai mis la même à ton fils. Et spoiler, j'ai pas visé la bouche.
Très bien. Ça parle mal. Non, tu cherches, tu l'as trouvé, mec. Non, j'ai bien compris. Je cherche, mais j'ai 7 points d'armure. Il y a, tu vois, il y a l'ego et il y a la provocation. Donc, très bien. Donc, ah, mais j'ai 7 points d'armure qui lui viennent. Très bien. Donc, si tu prends un dé de mes aventures. Pendant ce temps-là, il y a l'élémentaire qui s'avance vers toi. Chine. Bon, par contre, Théo, je compte sur toi, là, pour le coup. Ah, Théo, d'ailleurs, de ton côté, tu entends un petit boum au milieu des fracas et au milieu de tout ça. Tu entends une petite pression sourde sous le navire. Donc, tu lèves les yeux presque au ciel en disant « Mais quoi encore ?» Bah, je suppose que ça doit être Grand Lake, je m'inquiète pas. L'élémentaire s'avance entre les deux navires et tu vois qu'il y a une sorte de tourbillon, tu sais, comme dans le film Abyss, avec l'eau qui commence à se mouvoir et qui sort en fait de son torse et qui se dirige vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses faire? Il y a Sanguinus à côté qui ouais, voilà, Sanguinus, il a un mode PNJ, t'es bonjour aventurier, il fait beau aujourd'hui. Je m'appelle Sanguinus. Je suis le chef Sanguinus. De Sanguinus, il va vers toi en fait. Sanguinus, il va vers toi, Shin, il finit par grimper à ton niveau et il te tapote vers l'épaule. Il fait mais enfin, vous êtes sûr de votre coup, c'est quand même je suis le grand prêtre de l'église du sang. Il y a un élémentaire de sang qui vient me voir en me demandant de planter sa paille dans ma psyché. Écoutez, la différence avec vous, qui me passe. Vous ne demandez pas l'autorisation quand vous puisez les gens. Lui, il a eu la politesse de me proposer ça. De l'inviter à dîner. C'est ça. Attends, il y a resto avant cinéma. T'es un peu pute, Régis, quand même. Le mec, depuis 4 épisodes, nous demande si oui ou non ils pourront pomper les gens. Quand même, il est légite, le gars, quand même. Ça va. Tu aurais dû mourir. L'élémentaire commence à couvrir... par son envergure, le haut des deux navires, et il y a donc cette eau mystique qui vient vers toi et qui va t'investir. Une sorte de paille. Oh, ça s'appelle de l'ouro. voilà, on va se calmer. Qu'est-ce que... Non, je veux clarifier ça, s'il vous plaît. Que voulez-vous de moi? Vous voulez ma psy, c'est ça? Répondez. Mais ils veulent tout absolument. Non. Tout. Faisons un marché immédiatement. Je vous permets de puiser dans ma psy. Dans ma forme élémentaire, vous pourrez en puiser beaucoup plus. Mais comme seul, je vous demanderai en échange de nous aider à franchir cette mer et atteindre les rivages. Parce que nous avons un combat qui nous attend, très important. Plus important que ce qui se déroule ici. Nous pouvons vous aider à bien plus, aventurier. Vous arrivez à la croisée des chemins où vous affrontez destin et mort. Vous arrivez à la croisée des chemins où les règles changent, où le codex délivre son pouvoir. Mort, on l'a déjà affronté, on a gagné, donc bon. Juste. Moi, j'aime bien, vous arrivez à la croisée des chemins où les règles changent, où le mage fait des attaques de ninja au cac et où le paladin essaie de négocier. Tu le sens, le changement de scénar? Il y a donc cette énergie qui vient vers toi. Est-ce que tu te laisses investir par elle ou pas? Non, justement, je vais la repousser parce que... J'aimerais qu'il clarifie ses intentions avant que je me laisse faire et que... Laisse pisser, mais claque ta forme élémentaire, claque un dé d'aventure. Monsieur fait les jeunes vierges effarouchées. C'est ça. Fais comme dans les 40 000 de guerriers de métal, les 100 000 guerriers de métal, tu te transformes en SSJ pour que couleur y pompe, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais, mais de toute façon, dans l'état où je suis, je vais pas. Et justement, je voulais utiliser ma posture élémentaire parce que IC peut servir de réservoir de gourdasse de psy. Donc, ça ne fera pas exploser. Claque un dé. Il va pas juste se contenter de et prendre le glaçon. Ça nous laissera un dé contre 3. Il va pas juste se contenter de prendre la psy d'IC. À mon avis, il en veut bien plus, quoi. Ouais, mais écoute, si il peut se contenter de l'apéro avec moi, il va pas. Ouais, voilà, enfin, écoute. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux claquer ma posture élémentaire? Oui. Absolument. Quand cette énergie s'approche de toi, tu puises toi-même dans ta nature élémentaire et il y a autour de toi l'air qui se rafraîchit. Il y a une sorte de pellicule de givre qui couvre le mât. Sanguinus qui lève les épaules et fait « Oh, mais quoi encore ?»
Le deuxième élémentaire donc s'approche et Sanguinus se fait non mais vous déconnez là, très cher demi élémentaire, c'est oh mais merde, et il recule. Et il essaie de s'isoler et il te demande donc Shin si tu as besoin d'aide. Effectivement. Enfin, j'aurais l'intention de concentrer toutes mes forces pour essayer de me cristalliser. Enfin, pendant le processus de transmission de psyché, de les congeler pour les faire exploser. Je voudrais savoir si c'est possible. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça, Sanguinus? C'est-à-dire, je vais m'introduire en eux. Surtout qu'il est en forme élémentaire. C'est ça. Donc, il y aura ma psyché qui sera. T'étais à la source, et donc si je peux en profiter pour me concentrer... À quel moment t'es parti du principe que c'était des ennemis? Mais je sais pas, c'est trop flou, leurs intentions, et puis... Ils ont mis trop de temps à répondre quand je leur ai demandé de sauver un ami dans l'eau. Et puis Grunleck. Tu leur dis non pas le premier soir, et puis c'est tout. Il réagit de la même manière qu'on réagit depuis le début d'aventure face à quelqu'un dont on n'est pas sûr si c'est un ennemi ou un ami. On le déclare comme un ennemi, on l'attaque. Malgré nos recommandations mutuelles, je dis pas. C'est juste que. Non mais là, voilà, t'as potentiellement deux énormes élémentaires d'eau qui peuvent nous aider pour la suite du scénario. Et juste parce que tu veux pas on avait te potentiellement faire aspirer, toutes les églises qui pouvaient nous aider pour la suite du scénario et juste parce qu'on a mal pris, on a rasé le pays. Non mais on est comme ça. D'accord. Nous, si tu filtres un peu leurs intentions, tout ce qu'ils veulent c'est puiser à l'intérieur de moi. Franchement, c'est putain d'égoïste. Enfin, quand j'ai essayé de négocier un petit peu avec ils eux, ils veulent ta c'est tout. Il y a pas de. C'est pour ça. Ils nous barrent la route. Quand ils veulent j'essaie pas de négocier nous avec la eux, main. Les mecs, tu te rends compte de l'audace de ces gens-là. Tu leur demandes un service et en échange ils demandent un paiement. Oh, pré-poster. Je. Voyons. Ouais, mais attends, tu connais pas l'issue l'audace du de ces gens. Nouveau tour. Ah bah j'en sais rien, mais il est pour toi, c'est tout. Nouveau tour. Shin, tu as claqué ta posture élémentaire. Grunleck, tu es en train d'inverser l'échec critique que tu as subi le tour précédent. Tu es en train d'aller vers la surface, il faut que tu tiennes bon. Je te demandais donc, comme je t'avais prévenu au tour précédent, un test de physique afin de pouvoir grimper et en maîtrisant aussi l'air qui te reste dans les poumons. S'il te plaît. Très bien, c'est parti. 66, tu as 60 plus 5 en focus, 65. Voilà. Dommage. Donc, t'hésites à mettre la main devant la bouche d'un point de vue instinctif pour empêcher l'air de sortir tes poumons et utiliser ta main organique pour justement grimper. Et t'as l'autre main qui s'agite de plus belle, totalement frénétique, totalement indépendante, totalement égoïste. Alors, donc t'es à mi-chemin, t'es en train de perdre des points de vie. Et comme c'est de la noyade, ce ne sont pas des dégâts. Je vais 12, c'est bien comme chiffre. Du coup, je vais te retirer un tiers. Ce sont des dégâts temporaires, c'est-à-dire que si tu réussis à te tirer de cette situation, tu retrouves, parce que c'est plus de la raréfaction d'air dans tes poumons que des dégâts permanents. D'accord. Donc, c'est un dégât non permanent, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Donc, tu t'allais où l'autre tortue? Tu perds ceci. Shin, t'es en train de te mettre en transe. Théo et Bob, vous regardez l'un l'autre. Bob en posture de ninja avec son nunchaku. Et en face, donc, votre ennemi qui fait craquer donc, ses épaules et qui essaie de hache. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une des deux personnes qui peut agir. Théo, je sais plus. Il n'était pas censé attaquer avant? Il prépare quelque chose. Alors, j'ai juste une question dans ce cas-là. Si il m'attaque, alors que je suis en posture élémentaire, est-ce que j'ai le droit à un jet de défense? Non. Ou est-ce qu'il faut que je précise que je vais passer mon tour à essayer d'esquiver son attaque? Dans ce cas-là, ça me donne peut-être le droit de le faire. Oui, si tu passes ton tour à faire de la défense, oui. Et moi? Alors, ça me paraît plus légitime. Éventuellement, est-ce que je peux viser une partie précise de son corps contre un malus, me mettre en... Il est repassé en défensif? Oui. Bon, c'était à lui d'agir en premier, il est passé, il prépare quelque chose. D'accord. Non, il est pas passé en défensif. Tout à l'heure, t'as dit qu'il s'apprête à t'attaquer en offensif. Oui, parce qu'il était vénère, je l'avais provoqué. D'ailleurs, s'il attaque autre quelqu'un que moi, c'est bien. Il est en offensif, pas défensif, Fred. Il passe en défensif à son tour. Ouais. Il voulait attaquer, mais il passe en défensif.
Il prépare quelque chose, c'est ce que je dis. D'accord, ok. Bah, je sais pas, je peux pas lui faire un hippon et le jeter à la flotte. Bah, tu peux. Tu peux. Essaye. Tu peux le charger, hein. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est mais bourrin, je vais essayer de le charger avec le bouclier. Je vais essayer de le foutre au sol, en fait. D'accord. Très bien. Fais-moi donc un test. Est-ce que je peux utiliser ma charge électrique? Oui. Ah, mais ça va te coûter un dé d'aventure du coup. Non, c'est pas. Machin, c'est le dernier. Non, je peux la faire sans dé d'aventure. Hein. Bien sûr, je peux la faire sans. Ah, pardon. C'est une capacité. Oui, oui une ça a remplacé en fait les. Ça a remplacé le Damoclès une c'est fois ça. Que la d'accord. créature bah, de. Tu veux claquer le bouclier de CRS? C'est ça. Le bouclier taser. Allez, du coup. C'est parti. Le CRS, le contrôle radical sécuritaire. 42, ça passe. 42, ça passe. 42, très bien. Donc, je fais mon test de parade. Parfait. Donc, tu fonces vers lui avec le bouclier en le chargeant de psy. Quand tu arrives au contact avec lui, tu vois qu'il oppose résistance avec ses deux haches. Au moment où il oppose résistance avec ses deux haches, il les recule. Il recule vers le bord du navire. Il arrive néanmoins à opposer résistance en bandant ses muscles. Et à ce moment-là, se produit un effet assez étrange. Il y a la charge énergétique de ton bouclier, donc l'électricité qu'elle est avec, qui rentre dans ses haches. Alors, chaque fois qu'on utilise de la magie contre lui, il l'attaque. C'est pour ça que je me suis mis en posture de ninja et que je l'attaque au cac. Oui, c'est pour ça que j'utilise pas d'attaque magique moi depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est pas grave. L'électricité, on pouvait pas savoir. Enfin. Et du coup, je vais prendre l'opportunité, Maillard, et continuer à presser dans cette attaque. Oui. En visant ses jambes, Théo. Dans le but pas de lui faire des dégâts, mais de le faire tomber. C'était à Théo d'agir. C'est un sweep, c'est la balayette de Street Fighter que je lui mets. D'accord. Tu peux, si tu le souhaites, mais tu vas tendre, c'est à lui d'agir. Au moment. C'est à lui ? Oui, c'est à lui. Il n'y avait qu'une seule personne qui agissait. D'accord. De votre côté, de ceux qui sont à l'arrière, notamment du côté de Shin, donc tu ouvres le pont psychique et les élémentaires entrent en contact avec toi. Théo, tu as perdu donc ton attaque remplie de psy sur ton bouclier. Bob, de ton côté, tu es en train de préparer ton attaque au Nunchaku. Grunlek, tu essayes autant que possible de grimper pendant que Sanguinus est à l'arrière, essaye de maîtriser les flux sanguins dans le corps de Shin. Au même moment, la connexion psychique avec les élémentaires d'eau se produit. Et il se trouve que Shin parle d'une voix double, non triple. Vous avez déjà vécu cette scène dans la première saison, lorsque les créatures d'élémentaires se sont connectées à lui pour parler à travers lui. La voix est double, triple. Shin parle à l'unisson. Il fut un temps où les dieux et les diables marchaient ensemble. Ce temps toucha sa fin. Les aventuriers ne sont que des hommes, mais les hommes peuvent-ils guider ce monde? Dites-nous. Le Codex a changé les règles et vous devenez les garants du futur des peuples encore libres. Nous combattons ensemble, ennemis ou alliés, mais ensemble. Dites-nous, aventuriers, quel monde souhaitez-vous? L'équilibre ou le chaos? Le pouvoir ou le changement? Le maintien du temps présent ou le renouveau? Dites-nous, aventuriers, donnez-nous votre réponse, maintenant. Quoi? Thank you.